mauvais épitage, je ne dirais pas. Baptême du feu difficile, je ne dirais pas. Pourquoi? Je dis à chacun assume sa responsabilité. Moi, j'ai été élu en tant que président de la Chambre de commerce. Je suis là ce matin pour assumer ma responsabilité. Dommage qu'effectivement, que ça arrive dans de telles circonstances. Mais nous faisons tout pour gérer au mieux la situation. Au mieux de la situation. Donc, les services du port vont intervenir très rapidement. Un service privé a été engagé pour sortir donc le bateau donc hors de l'eau. Je crois qu'on va retrouver donc toute la calmie à partir de en fin de journée. Et dès la semaine prochaine, je me suis engagé avec les interlocuteurs du port à mettre en place une table ronde avec nos partenaires, la municipalité de Saint-Paul, et pour mettre à plat, pour faire l'inventaire de ce qui va, ce qui ne va pas, et voir comment on peut avancer différemment dans cette nouvelle mandature. La table ronde va nous permettre effectivement de faire un état des lieux. On parlera de l'insécurité, on parlera effectivement de divers problèmes qui pourraient exister, et trouver un consensus pour améliorer effectivement le cadre du port de Saint-Gilles, mais dans une table ronde avec nos partenaires, la municipalité de Saint-Paul et les interlocuteurs du port de Saint-Gilles.